La pizza presque douce, ben, y a une histoire avec ça. C'est qu'on partait en motoneige après souper. On était quatre chums. Puis quand on en revenait, ben là, on avait faim. Ça fait que moi, mon four à pizza n'était pas formé. Ça fait que on se faisait une grosse pizza. On mettait toutes sortes d'affaires. C'est du bacon, du steak haché, des oignons, des crevettes. On mettait ce qu'on voulait. Puis là, ils sont mis à appeler ça la pizza presque douce. Puis ils m'ont tellement parlé que ça, j'ai été obligé de la mettre sur mon menu pour l'expliquer. Tu sais, puis j'ai donné les ingrédients qu'elle a dedans, puis elle a fait fureur. Je viens du Témiscouata, dans la Roville des Gelées, mais l'autre côté du lac. C'est le hasard qui a fait ça que je me suis emmené ici. Puis j'ai été reçu ici comme un petit roi. Puis, quoi, un petit peu, hein? Non, ça me pogne, ce que je dis. J'ai été reçu ici comme un petit roi. Puis, je les ai bien rendus. J'ai créé une amitié assez sincère, etc. Tu sais, j'étais bien ici. J'avais trouvé mon petit nid, tu sais. J'ai élevé ma famille ici. J'ai juste des amis. Je me suis impliqué dans le sport, je me suis fait beaucoup d'amis là-dedans. Ils savent qu'ils ont besoin de moi, mais moi j'ai besoin d'eux autres. C'est réciproque. Là. Moi sans eux autres, je suis pas grand-chose. Là. Puis eux autres, ben, ils sont contents du service que je lui ai donné. Ça fait que ça fait un tout. Okay. Ouais. Tiens.